Vous avez certainement entendu la nouvelle selon laquelle la célèbre TikTokeuse camerounaise Madame Cooper serait décédée. Tout le monde en parle, c'est triste et difficile à accepter. Pendant que certains pensent à une hypothèse selon laquelle Madame Cooper est dans un état critique et n'est pas décédée, plusieurs acteurs et influenceurs camerounais confirment qu'elle est bel et bien décédée. C'est le cas du producteur Robinson Pifot, qui a fait une publication pour mettre fin à ses doutes. Dans la publication de Robinson Pifot, on peut lire « Consternation, une famille en pleurs et inconsolable, c'est confirmé et vérifié. Nous sommes actuellement aux urgences de l'hôpital général de Douala, c'est triste mais vrai. On n'aura plus jamais droit au sourire de Stéphanie. » En plus de la publication du producteur Robinson Pifot, nous avons celle de Laura Dave Media qui dit « People, Madame Cooper officielle est décédée. La nouvelle est tombée comme un coup de massue. La TikTokeuse est décédée ce samedi soir à l'hôpital général de Douala des suites des cancers du cerveau. Habituée de Snapchat et TikTok, la chanteuse était absente toute la semaine sur ses réseaux sociaux. L'équipe de Laura Dave Media s'est rendue à son domicile familial au quartier Bali où de nombreux fans ont fait le déplacement pour un recueillement. Nos sincères condoléances à son fils, son époux et à sa maman ainsi qu'à toute la famille. Rappelons que Madame Cooper est l'une des TikTokeuses camerounaises les plus populaires. Madame Cooper n'a pas la langue dans sa poche, aucun sujet n'est tabou pour elle. Elle conseille constamment les hommes et les femmes sur leurs relations amoureuses et leur vie sexuelle. Elle avait récemment annoncé qu'elle devait bâtir une carrière dans la musique. Concernant sa vie professionnelle, un internaute s'interrogeait sur le travail que fait la TikTokeuse Madame Cooper. Elle avait répondu à cet internaute en expliquant qu'elle travaille comme directrice administrative et financière dans une société civile immobilière et qu'elle avait déjà 5 ans d'expérience à ce poste. L'influenceuse camerounaise Madame Cooper est actuellement l'une des plus en vogue au Cameroun. Elle est suivie par une forte communauté, notamment sur la plateforme de partage des vidéos et du réseautage social TikTok. La jeune TikTokeuse camerounaise décède à l'hôpital général de Douala le 4 mars 2023. Après quelques jours de maladie, tel qu'on peut le lire sur certaines pages, elle laisse un jeune fils et une famille éplorée. Son décès est une grosse perte pour le Cameroun. Les internautes du Cameroun et d'ailleurs sont attristés par cette nouvelle. C'est une épreuve difficile pour la famille. Nous ne pouvons que souhaiter du courage à la famille de la défunte pour ce moment difficile. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur vos stars préférées. À bientôt pour une nouvelle vidéo.